Good morning, allez, Dan, tu seras aujourd'hui le Neshma Tamamo de Rabbi Nesrek, Bafini Dora Bat Esther et Bracha Bat Binyamin. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude, mes chers contacts, c'est la minute éternelle. Nous étudions Maserhat Yevamot, Perek Yud Alef, Mishna Vav, Mishelo Shahata Achar Baala, Shlosha Chodashim Veniset. Veyalda, Ve'en Yadua im Ben Tish al Arishon, im Ben Shiva al Acharon. Ayula Banim, Min Arishon, ou Banim, Min Ashani. Choltin, Velo, Miyabemin. Ve'chen Hulaem, Cholet, Velo, Miyabem. Ayolo achim min arishon ve achim min hasheni shelo meotahem u choletz u miyabem ve em echad choletz ve echad meyabem. Un autre cas de figure encore avec un enfant qui a un doute sur lui, qui est son père, avec un autre cas de figure. Donc c'est, on avait une femme, alors on va l'appeler Rachel, elle était mariée avec un premier mari qui s'appelait Réhouven. Après Réhouven, soit il est mort, soit il a divorcé. Elle est partie ensuite, cette femme, on va dire qu'il est mort, c'est plus facile pour approcher le missionnaire. D'accord, seulement principe pour notre missionnaire, pas de différence, mais en tout cas pour notre missionnaire, ce sera nécessaire. Donc il était marié avec Reuven, Reuven est mort, et après elle se marie avec Shimon. Le problème, il est qu'on apprenait plus haut, dans le, le deuxième pérec, il y avait écrit là-bas qu'il fallait nécessairement, une femme, elle doit attendre 3 mois, non, c'est plus le quatrième, c'était cinquième pérec. Il y avait là-bas, on apprenait qu'une femme, après, une fois qu'elle divorce ou que son mari décède, elle doit nécessairement attendre 3 mois de distinction pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte du premier. Ce qu'elle a fait, elle, c'est qu'elle a patienté 1 mois et demi, elle s'est dit que oui, c'est bon, si je sens que je ne suis pas enceinte. Elle s'est mariée. Après 1 mois, 1 mois et demi, elle a son ventre qui gonfle. Et on ne sait pas, est-ce qu'en fait, peut-être que c'est un enfant du premier mari de Reuven. Peut-être que c'est un enfant du deuxième mari de Yosef. Maintenant, l'enfant va naître. Donc, on ne sait pas est-ce que c'est le fils de Reuven ou c'est le fils de Yosef. Il est cacher, l'enfant, il n'y a aucun problème. Ouais, il n'y a aucun problème de cachoute. Il est l'enfant de juif, il n'est pas mamzer, parce que de deux choses l'une. Soit c'est l'enfant du premier, soit c'est l'enfant du deuxième, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi qui est son père. Ça va nous entrer dans toutes sortes de situations compliquées. En l'occurrence, avec les enfants de Reuven, les autres enfants de Reuven et les autres enfants de Shimon. A titre indicatif, on va appeler les enfants de Reuven Hetzron et Carmi, comme les enfants de Reuven, et les enfants de Yosef, Menaché et Ephraim, ils sont un peu plus connus, eux. Et donc maintenant, on a cet enfant au milieu, qu'on va appeler allègrement Peretz, qui était dans la Torah, c'était le fils de Yehuda, mais c'est bon. On a Peretz au milieu, et Peretz, il a des frères de Reuven et des frères de Yosef. Hetzron et Carmi, de Reuven, et Menaché et Ephraim. En réalité, Reuven, il ne sait pas qui sont ses frères. Parce qu'il a. Alors là, on a deux cas de figure. Il y a un cas de figure où tous les enfants, les 5 enfants, sont nés de la même mère. Donc il y en a deux. Les 2 premiers sont nés de Reuven. Les 2 derniers sont nés de Yosef. Et on a au milieu ce petit Peretz qui est né. Et qu'on ne sait pas est-ce que. Il est frère de père et de mère de chez Reuven ou de frère et de mère de chez Yosef. Ça, ça va être la première situation. On le fait déjà à l'oral, comme ça, après, on lit tout dans les mots et tout sera bien compris. C'est très simple. Dans la mesure où, maintenant, il va y en avoir un qui va décéder, que ce soit Peretz qui décède lui-même, aucun frère pourra faire le hiboum avec elle. Pourquoi? Avec sa femme, pourquoi? Parce qu'il est possible qu'en réalité, ce frère-là, il est frère de mère, mais pas de père. Or, s'il est frère de mère, il n'y a pas de misère de hiboum. S'il n'y a pas de misère de hiboum, aller avec la femme de mon frère de mère et pas de père, c'est une relation d'inceste, c'est formellement interdite, même si le frère il est mort. Donc, ils ne pourront plus faire le hiboum, ils devront nécessairement faire la khalitza. C'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, ça va être le cas maintenant, où Reuven, il a eu des garçons d'une autre femme, Chetzron et Karmi sont nés d'une autre femme, et Yosef, il a eu Menaché Ephraim d'une autre femme aussi. Lui, c'était de Osnat, et Reuven, c'était de qui vous voulez. Et maintenant, il y a cette femme au milieu, que elle est passée d'un à l'autre, avec un enfant qui est au milieu, on sait pas c'est l'enfant de qui. Là, c'est beaucoup plus simple, parce que regardez, on ne sait pas Peretz, ce qui sera le frère de Chetzron et Carmi, et strictement pas de Menaché Ephraim. Ou il sera le frère de Menaché Ephraim, et strictement pas de Chetzron et Carmi. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fera? Ben, c'est très simple. Si c'est lui qui décède, eh ben, on aura une femme maintenant qui sera Zkouka Leiboum, on ne sait pas qui doit lui faire Leiboum. Est-ce que c'est la fratrie de Reuven, Chetzron Carmi, parce que la fratrie de Yosef,
Menaché Ephraim. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, tu sais quoi? Qui est un des deux de la famille qui va lui faire la Khalitsa, et le deuxième, il pourra faire le hiboum, peu importe dans quel sens. Parce que de deux choses, soit c'est une bonne Khalitsa, parce que c'était vraiment un Teskouka le hiboum, et dans ce cas-là, face au deuxième frère, c'est une étrangère, tout simplement, et le droit de se marier avec elle, ou soit inversement, d'accord? Et maintenant, si c'est pas lui qui décède, mais c'est au contraire un de ses frères qui décède, eh bien, même principe, il faudra. Alors, si un de ses frères qui décède, en fait, c'est pas qu'il avait deux frères et deux frères, il avait juste un frère et un frère, comme ça c'est plus facile. Il avait deux frères, et il y avait un, c'était Hetzron, et l'autre c'était Ménaché, uniquement, c'est tout ce qu'il y avait. Maintenant, la femme de Ménaché décède, alors écoute, de deux choses l'une, soit il n'y a pas de frère, donc elle est permise à se marier, soit il y a un frère, c'est en l'occurrence, c'est lui, et bien il fait le hiboum, donc il pourra en fait faire le hiboum avec elle. Ok, et même principe aussi du côté de Youssef, de Reuven. D'accord? On a tout compris dans la Mishnah, maintenant on fait ça dans les mots. Michelo Shahata, celle qui n'a pas patienté, Achar Bala, après son mari, Shlosha Chodashim, 3 mois, Vénissette, elle s'est mariée plus, trop vite. Donc une femme qui n'a pas patienté les 3 mois de distinction. Veyalda, et après elle accouche, Venyadoa Imben Tish Alarishon, Imben Shiva Lachon. Elle accouche en fait au bout de 7 mois de son mariage. On ne sait pas, est-ce que vous savez qu'un enfant il peut naître à 7 mois ou à 9 mois. On ne sait pas, est-ce que cet enfant, c'est un enfant qui naît 9 mois après le premier mari, ou 7 mois après le deuxième mari. C'est-à-dire, si elle a patienté après le deuxième mariage 9 mois, alors on est certain que c'est l'enfant du deuxième mari, hein, parce que ça n'existe pas, hein, d'être enceinte pendant 11 mois. Mais par contre, si elle a patienté tout court 7 mois depuis le remariage, alors on ne sait pas, est-ce que c'est 9 mois depuis le premier mariage ou 7 mois depuis le deuxième mariage. Alors, la Mishnah m'enseigne. Ayula bani mina rishon ou bani mina sheni. Ici, cette femme-là, elle avait en plus de ça d'autres garçons du premier mari et d'autres garçons du deuxième mari, parce qu'elle a eu 5 enfants en tout. 2 Retson et Karmi qui sont nés de Reuven et 2 qui sont nés de Yosef, Menaché et Ephraim, et qu'il y a ce père et ce milieu, on ne sait pas si c'est le fils de qui. Dans ce cas-là, l'unique solution, c'est Choltsin et Velom Yabemin. Ils devront faire la Khalitsa et en aucun cas le hiboum, parce que si toutefois c'est pas sa femme, c'est pas sa Yevama, alors il s'avère qu'il a une relation en ce moment avec la sœur de son frère de mère, et il n'y a aucune permission à ça. Et même, idem, lui, par rapport à eux, il devra faire la Khalitsa et pas être Miyabem, c'est-à-dire que s'il y a Khetzron qui meurt, et ben, pour pouvoir faire la femme de Khetzron, il faudra que son frère Karmi fasse la Khalitsa, ou le hiboum. S'il fait le hiboum, c'est très bien, mais s'il fait juste la Khalitsa, il faudra. Non, là c'est très bien, donc en fait, il faut prendre. J'ai pris un mauvais cas. Il n'y avait pas deux frères et deux frères, il y avait un frère et un frère. Il y avait juste Retzron. Si Retzron il meurt, alors il ne pourra pas faire le hiboum, il devra faire nécessairement la Khalitsa, parce que peut-être que c'est son frère de mère et pas de père. Ok? Maintenant, autre situation. Ayulo Achim Mina Rishon ve Achim Mina Sheni, Shelo Meotan. Si toutefois, maintenant, il avait des frères, ce Peretz, il avait des frères, un frère et un frère, on va prendre, d'accord? Un frère de Reuven, mais qui n'est pas de la même mère, et un frère de Yosef, mais qui n'est pas de la même mère, c'est-à-dire Reuven et Yosef, ils avaient chacun leur femme respective, et à part ça, il y a cette femme qui est passée de Reuven à Yosef, et qu'elle a accouché au milieu ce petit garçon, ce Peretz, qu'on ne sait pas à qui il appartient, on ne sait pas quel est le fils de qui. Alors dans ce cas-là, c'est simple, ou Choletz ou Miyabem, lui, lors de faire la Khalitsa, ou même le hiboum, quand il y a une, même si il y a un frère qui meurt, sans laisser d'enfant, il peut faire soit la Khalitsa, soit même lui faire le hiboum. Parce qu'on va lui dire deux choses l'une. Soit c'est son frère de père, donc c'est super, il fait le hiboum. Soit c'est pas son frère de père, donc il est strictement rien. Il n'est ni frère de père, ni de mère, donc il peut prendre sa femme. Vehem, et eux, idem aussi. Si toutefois c'est lui qui meurt, et bien eux aussi. Echad Choletz, Echad Meyabem, il faudra, pour pouvoir permettre cette femme, il faudra, un, il fasse la Khalitsa tout d'abord. Et alors on va dire deux choses l'une. Soit tu es, toi, le vrai frère de père, donc tu as fait la Khalitsa, tu l'as permise, le deuxième, il doit se marier avec elle. Soit ce que tu as fait, ça sert à rien, parce que c'était pas toi le frère, donc il n'y a aucun problème, le deuxième, il peut se marier avec elle, et il fera la via, comme le hiboum, et dans ce cas-là, ça marche. Et voilà, d'accord? Prochaine Mishnah, attention, on continue avec la même situation, en découvrant plein de halakhot, elle sera relativement longue, on essaiera de faire ça assez vite, les attachés. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une pleine de la salakhot, tout ça là.